Hey hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. Et comme à mon habitude, on va commencer avec mes petits fruits et légumes, la pêche, la patate, la banane, en tout cas moi oui, je vais vous la donner aussi parce qu'aujourd'hui, bah, comme à mon habitude après une petite absence, le méga clip du jour. En plus aujourd'hui j'ai plein de surprises puisque c'est le début des vacances pour la plupart d'entre vous. Donc aujourd'hui on va essayer de faire péter tout ça et on va partir tout de suite pour pas perdre de temps sur Black Ops sur la map Summit avec le joueur X Raptor qui va jouer au L96A1 et regardez-moi le clip qu'il va nous faire. Donc là, il progresse dans Summit, il va faire un premier kill au couteau, rien d'extraordinaire. Un deuxième en quickscope, un troisième en quickscope avec headshot, un quatrième. Là, il va se planquer derrière le petit caillou, un cinquième en quickscope, là, un fail. Là, le sixième, un hitmarker. Il le termine, non, fail. Là, le septième. Le huitième, ensuite chance sur son arme secondaire. Il va continuer. Un neuvième. Et pour la forme, pour vous laisser sur une belle impression, un dixième qui débloque les chiens. On va continuer cette fois-ci sur Modern Warfare 2 sur la map Afghan. Pour bien entendu, je vous ai pas oublié, les mordus de trickshot. On va partir avec Biunik qui va nous sortir un Hot Potato Fade Shot. Donc tout de suite, c'est parti, le clip. Là, il lance sa grenade. Et là, chaud, chaud, les marrons, il renvoie sa grenade. Il saute dans l'air, nous fait un 3-6 droite-gauche. Et il nous termine donc ce magnifique trick shot qui est un hot potato fade shot. Allez, on regarde. Ralenti. Voilà, très beau clip de Biunik. Et puis, ben, c'est toujours pas fini, hein, vous avez l'habitude maintenant. Donc cette fois-ci, on va partir sur la map sur Black Ops, sur la map Array avec iPro X Exotic pour le petit kill feed au Space 12. Regardez, il a contourné l'ennemi là, vous allez voir, il descend les marches du bâtiment principal dans Array et là il se dirige vers le respawn ennemi là. Donc il va nous faire un premier kill. Donc le clip va être un petit peu long entre guillemets, même si vu le nombre de kills, ça va être assez rapide. Un deuxième. Là, il nous fait un troisième et un quatrième. Là, il en cherche un kill. Il l'a pas vu puisqu'il a le silencieux. Il est à 5 kills d'affilée. Là, il continue, il recharge. Il est à 6. Là, il fait plusieurs hitmarkers. Il va recharger, il va sauter pour faire son septième en headshot. Donc là, il recharge toujours. Hein. C'est pour ça qu'on perd un petit peu de temps. Mais vous allez voir, il recharge et il s'arrête très peu souvent. Pardon. Là, il fait son huitième en headshot. Un petit neuvième. J'espère ne pas m'être trompé dans le nombre de kills. Donc on est à 9. Là, il a été tué. Il en profite pour recharger. Il revient sur ses pas. Il va nous sortir le 10e. Là, il rentre dans la petite maison pour s'abriter un petit peu. Il nous sort le 11e. Là, on lui tire dans le dos. Et il se retourne. Il fait son 12e. Donc, space 12. 12 kills. Bravo à toi. GG à toi. Et on va se retrouver tout de suite. On va repartir sur Modern Warfare 2 sur la map terminale. Pour cette fois-ci, je me suis dit, allez, on va leur faire plaisir, c'est les vacances. Le deuxième trick shot du méga clip du jour. Donc cette fois-ci avec X Snipers Magic qui va jouer à l'intervention sur la map terminale. Alors il va nous sortir, je vous le dis avant, je vous laisse regarder après, un USP 45 switch 1080 double switch en terminant par un flash scope. Donc en gros, vous allez voir, il va tirer avec ses USP 45. Il va switcher sur son arme, donc qui est l'intervention. Il va faire un 1080 et il va terminer en flash scope. Voilà, donc c'était un très joli clip pour le trickshot. On va continuer, puisqu'en ce moment j'ai de la chance, j'ai pas mal de petits enchaînements en multi-kill, triple kill, etc. Donc bref, on va partir sur Modern Warfare 2 sur la map sub-base ou sub-base pour la petite note d'humour avec Monsieur Kaiser. Et vous allez voir tout de suite son petit clip. Bon, là, il va faire un kill. Ça, on s'en fout. C'est comme ça, c'est pour arriver. C'est pour qu'il puisse prendre son javelin. Voilà, le javelin. Maintenant, on a l'habitude des petits multi-kills. Alors, va-t-il réussir un multi-kill? S'il est dans le méga clip du jour, à mon avis, je pense que oui. Voilà, qui est fait. Un petit 4. Allez, élimination multiple. Là, il va attendre un petit peu. Il a son Predator et en fait au début je me suis dit mais pourquoi il attend, qu'est-ce qu'il fait. Je me suis dit il doit être euphorique. Eh bien non en fait, si je vous regardais bien le radar, il regarde simplement à ce que les ennemis soient un peu groupés. Je pense à mon avis que c'était pour ça. Il parle en même temps à ses potes en leur disant j'ai fait un multi. Là il les voit bien regroupés
Il a bien raison de l'envoyer maintenant. Et là, regardez ce qu'il nous fait. Allez, hop là, un triple. Là, il débloque son bombardement furtif. C'est pas fini. Bien sûr, il est bien lancé. Il l'envoie. Il va se mettre à l'abri même s'il sait qu'il va mourir. Et là, il nous renchaîne un triple. Donc, il nous a fait en gros un quad, un triple, un triple. Donc, 10 kills rapidement. GG à toi, c'était Monsieur Kaiser. Et exceptionnellement, j'ai une petite vidéo bonus à vous montrer. Cette fois-ci, c'est un clip d'Hypnotique 84, donc de moi-même. En gros, je vous explique. Je jouais ce matin. Je m'étais levé pour donner le biberon à mon fils. Je lui donne, je me connecte. Là, je fais une partie où je me fais littéralement pulvériser. Moi, j'essaie de faire des trucs avec le sniper, parce qu'à force de voir les clips du jour, voilà. Bref, je tentais des choses. Je me suis fait défoncer au lance-patate parce qu'on était en domination. Quelle idée de jouer en domination sur moi dans Warfare 2. Et là, il y en a un qui me reconnaît. Il dit à son pote, c'est Hypnotique 84 de code QG, je vous le dis vite fait. Et l'autre, en gros, il dit, bah, ouais, il est nul, quoi, la partie d'avant, il s'est fait pulvériser. Là, je dis rien, et vous allez voir, il y a un beau petit spot que je vais prendre, et vous allez voir leur réaction. En gros, ils vont faire, oh mince, non, j'ai rien dit, je retire. Allez, je vous laisse avec la vidéo. T'es sûr que c'est lui? Bah oui. Pourri, hein. Voilà. Quoi? Prenez les objectifs. Là il est pourri, hein, faut dire. On sécurise Alpha. Trop vexé, mais il était pourri. Ah, oh bah le bâtard, hop, 10 gaz, ouais, j'ai rien dit. Oh, et là, c'est sûr, tu vas l'avoir sur. Et. Alors pas mal cette petite vidéo, hein. Je me suis dit que c'était pas mal de vous la mettre parce que voilà, bah moi j'ai, ça m'a fait rigoler quoi. Ils m'ont reconnu, il y en a un qui m'a reconnu, il y en a un qui dit en gros voilà ce qu'il a dit et j'ai trouvé ça super sympa. En plus avec le petit multi-kill plus la T4 à la fin, en très peu de temps le Predator. Donc je trouvais ça sympa de vous le mettre en bonus. Et maintenant j'ai une annonce très importante. Donc bon, déjà premièrement, si vous avez des clips du jour, vous n'hésitez pas. Code xqg@gmail.com, vous m'envoyez tout ça et je ferai la sélection moi-même, Tizo, Quentin. Bref, ne vous inquiétez pas. Maintenant, annonce très importante et j'ai un cadeau à vous faire pour les vacances. Il va y avoir bientôt des montages des clips du jour. Oui, des montages. J'ai contacté quelques éditeurs et on va vous faire des surprises. Vous allez avoir des montages des clips du jour. Donc, j'ai reçu le premier trailer qui, honnêtement, est vraiment pas mal, va vous donner l'eau à la bouche. Mais avant de vous mettre le trailer, je vais très certainement le poster demain. J'aimerais combattre le dernier clip du jour qui a terminé à 2400, 2500 gemmes. Bref, en 24 heures, on a fait 2000 gemmes. Donc, je compte sur vous pour me pulvériser la boîte des gemmes. Et si vous me la pulvérisez rapidement, moi, je vous promets que demain, je vous mets le trailer. Et ça vaut vraiment le coup d'appuyer sur le petit bouton j'aime pour récompenser mon travail, pour récompenser notre travail, récompenser les kills de la communauté FR. Et moi je vous dis en tout cas, portez-vous bien, passez de bonnes vacances, à la prochaine, ciao bye bye.